Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le top 8 des armées les plus puissantes d'Afrique en 2019. Et je précise que le classement des plus grandes puissances militaires d'Afrique tient compte essentiellement du budget de défense, de l'effectif des armées et le nombre de tanks et d'avions de chasse. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. La Tunisie. Avec un budget relativement faible par rapport à celui de son voisin libyen, 550 millions de dollars, la puissance de feu de la Tunisie se mesure principalement par le nombre impressionnant de sa flotte aérienne, 139 avions de chasse. Le pays possède également 350 tanks pour les combats terrestres. Le Maroc. La présence du royaume sérifien dans ce classement est amplement justifiable au regard de son arsenal militaire qui reste l'un des plus impressionnants en Afrique. Avec un budget de défense qui s'élève en 2017 à la bagatelle de 3,4 milliards de dollars, le Maroc compte de son armement 323 avions de chasse et 1348 tanks. En plus, le personnel actif est l'un des plus importants d'Afrique, plus de 190 000 hommes pour le Maroc. Kenya. En dépit du faible budget consacré aux dépenses de l'armée, la République du Kenya occupe la 6e place du classement des armées militaires africaines. Le budget alloué au département de la défense s'élève à 595 millions de dollars. Le Nigeria. Considérée comme la plus grande armée de l'Afrique de l'Ouest, la République fédérale du Nigeria occupe le 5e rang au niveau continental. Pour assurer la protection de sa population qui dépasse les 174 millions d'habitants, le gouvernement nigérien consacre 2,3 milliards de dollars au département de la défense. Le Nigeria possède officiellement 95 avions de chasse et un peu plus de 360 tanks. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a l'un des plus gros budgets de l'armée du continent noir. Ses dépenses militaires sont actuellement estimées à 4,61 milliards de dollars. L'arsenal sud-africain comprend 213 avions de chasse et 191 tanks. Éthiopie. Voir l'Éthiopie occuper la 3e place de ce classement peut surprendre. Pourtant, le pays est l'une des plus grandes armées de notre continent, pas sur le plan budgétaire en tout. Le budget alloué au département de la défense dans le pays dirigé pour la première fois par une femme depuis le 25 octobre 2018 s'élève seulement à 340 millions de dollars chaque année. Mais la puissance de feu éthiopienne tient principalement à ses 590 tanks du pays, mais aussi à ses 182 500 militaires de première ligne. Algérie. L'Algérie méritait à certains égards d'être à la tête de ce classement car son budget militaire est la plus importante de toute l'Afrique, 10,57 milliards de dollars. Mais l'armée algérienne, forte d'un personnel actif composé de 130 000 hommes, se contentera de la seconde place pour cette année. Égypte. L'Égypte conserve à nouveau sa première place dans le classement des plus grandes puissances militaires africaines.
et ce n'est pas si tôt que ce pays sera détrôné, car sa puissance de feu est simplement redoutable si l'on jette un œil à la composition de son arsenal. Avec une armée dotée d'un budget estimé à 7,85 milliards de dollars, l'armement de l'Égypte est composé de 1100 avions de chasse et quelques 4767 tanks, un record qu'il sera manifestement difficile à battre en Afrique. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi l'armée africaine qui vous a le plus impressionné. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour encore et encore de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.